Et puis, venons-en à cette installation des magistrats promus lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature installé dans leur nouvelle fonction, occasion pour le premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville d'insister sur la confiance qui doit régner entre justice et justiciable. Charles Bamono, Michel John Boudega. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissem Boumboumiyakou, que les promus du Conseil supérieur de la magistrature tenu le 3 juillet dernier ont été officiellement installés dans... C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissem Boumboumiyakou, que les promus du Conseil supérieur de la magistrature tenu le 3 juillet dernier ont été officiellement installés dans leur nouvelle fonction de substitut conseiller, procureur et avocat généraux près de la Cour d'appel judiciaire. Un rituel des plus classiques ponctué par la lecture des CV, de l'arrêt de renvoi, des autorisations et des réquisitions préalables. Toute chose ayant permis au premier président de rappeler aux uns aux autres la confiance qui doit régner entre la justice et le justiciable. Comment ramener le justiciable gabonais à aimer sa justice? Car beaucoup de justiciables sont depuis quelques années, se sont fait depuis quelques années, une idée négative de leur justice. Ils disent que peuvent les lois là où ne règne que l'argent, la politique et les ordres. C'est quelquefois oublié que la justice est la base de la société. Le jugement constitue l'ordre de la société. Or, le jugement est l'application de la société. Et pour accomplir cette mission extrêmement délicate, le nouveau procureur compte sur la collaboration de tous, y compris celle des médias. J'invite la presse à faire preuve de professionnalisme en recherchant auprès de nos services la bonne information, afin d'éviter de distiller des nouvelles susceptibles de semer le trou dans l'esprit des populations. Les magistrats ont véritablement du pain sur la planche au regard du lourd contentieux pendant devant les tribunaux accumulés durant les mois de grève qui ont paralysé l'appareil judiciaire.